Le 15 rue Guigne, près de la petite fontaine, pas loin du magasin sur l'étage génétique, vous voyez? Oui, nous avions déjà votre adresse. Bon après-midi. Bonjour. Et la problème le plus grave, mon lave-vaisselle est tombée en panne. Mais c'est manager qui peut l'appeler. Mon lave-vaisselle est tombée en panne, mon téléviseur m'a insulté, mon aspirateur m'a fait la morale et la morale m'a fait la gueule pendant 2 jours. Tu as beaucoup pris sur toi ces derniers temps. Tu es épuisé, c'est à moi de prendre le relais. Je me sens si là. Ton arrivée a bouleversé notre vie. Bien sûr, chérie. C'est pour cela qu'on l'a voulu. Nous, on en a assez. Oui, la paix des binaires, ça commence à bien faire. Il est devenu. Envahissant. Oui, c'est ça. Omniprésent. Omniprésente. Pénible. Gonflante. Chiante, gonflante. Dis calme, j'entends bien. Cette police, déjà condamnée pour stationnement ici, et insulte à Eurodata, c'est une licenciée de profiter du sommeil de la jeune prestation de l'université. La loi Climat et sa vaisseau n'est déclare à son sujet au cœur de la ligne. La société Solvalas avait consenti à faire bénéficier ce couple torturé et inquiétant de sa toute nouvelle offre, la paix chez toi pour 300 euros dollars par mois. C'est dimanche. Il se prépare à recevoir l'oracle. Sexualité de groupe. Ah. Je viens une fois par semaine. Oui. Littérature. Me psychanalyse. Mercredi. Érotisme. Ésotérisme. Je dis. Notion de plaisir jusqu'aux inconnus. Comment va trembler sous l'effet d'une angoisse insoutenable. Mais de la transgression. Oui, dépasser ce stade pour. Ah, on va parler dans la phase de rire. Ça allait loin avec elle. Au rythme de plusieurs séances par jour quand il le fallait. Mon père y assistait de temps à autre. Tout à petit que. Je vous connais, vous. Salut, oh, Cartier. J'ai vu votre cul à la télé. Docteur. Docteur. Parce que ces têtes sont là, allez-y, qu'on a fini une bonne fois pour toutes. Vous pouvez qu'on mette. Qu'est-ce qui dans le plat, c'est ça? Pas question. Ce plateau contient des encens précieux que j'ai ramené de Katmandou. J'ai bien failli en faire. Je trouvais que la fée était un peu banale, n'est-ce pas? Un peu bancale. Et vous vous mariez et lui retransmis mille enfants, etc. Non. Tout cela. C'était pas la vérité. Qu'est-ce que c'est, moi, Bénédicte? Je dans leur bicrète, la compagne chez les parents, et c'est là que fatalement, rencontre, c'était la future belle maman qui s'effroie. Très bien. Je sens que la régression va pouvoir commencer à présent. Oui, la régression va commencer. Non. Nous allons laisser entrer le soleil. Non. Les sons. Oh, mais ça! Yes, les sons. Je sens l'appel de la régression. Vous l'entendez? Je l'ai, je l'entends. Oui, mais la petite. Écoutez, Norbert. Je n'ai pas que cela à faire. J'ai un client dans 1 heure. Vous n'êtes pas le seul patient. La régression est là. Sandy, vous le dites. Oui. Voyez-vous, Norbert. Sandy a trouvé le meilleur moyen pour se débarrasser de son agressivité. C'était de passer par des écrits.
C'est bien pour cela que vous avez fait appel à mes services. Oui. Moi, ta gueule. Voyez-vous, Norbert, Sandy est à mi-chemin entre le stade. Mais que voyez-vous? Rien. Qu'un vide effrayant. Oh, oui. Vous dites un ralentissement mental de l'évolution de votre couple. Oui, bien sûr, mais ah, regardez. Sauvagement sous le balcon contre le géranium, dans la cuisine, entre deux vagues, salon, en salon de labour. Mais c'était que ça, mais c'est qu'elle n'a pas de que là. Et aux autres femmes, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Attention, on va pas qu'on va être à l'enfance de quelque chose, mais tu sais faire bien, hein? Ah. Mais après, ça va être trop faire, tu sais faire un coup, tu sais. Je sais, mon chéri, comprends que c'est pas la vie qui me manque, mais de savoir que la petite peut arriver de mon sein d'abord, ça me met mal à l'aise. Profitez de ce retard pour me familiariser avec l'environnement. Chez les murs en les balayant. Oui. Des sirènes hurlées. Puis j'ai entendu un bruit sur le palier. Un bruit de porte qu'on enfonce. Je suis sorti et j'ai aperçu un homme du groupement du solutionnement des contentieux commerciaux emporté Sandy Cazin sous son bras, comme un paquet. Derrière eux, deux hommes des forces spéciales d'intervention tenaient sur le lancement. Alors votre décision est prise. Je n'ai aucun moyen de vous faire changer d'avis. Mademoiselle, vous êtes bien certaine de vouloir rester ici. Votre contrat avec notre société. Petite signature. Ici. Ici. Et là. Bisous.